Hey, salut Basile, comment tu vas de Londres? Comment tu vas? Merci beaucoup, merci. J'attends que les gens se connectent, hein. Salut à tous mes amours. Je vous aime. J'attends que les gens se connectent. Hein. Bon, on ne va pas être très long aujourd'hui, hein, comme d'habitude. Hein. Vous savez, d'habitude, je ne suis pas très long. Hein. Donc, quand il y a un message important à partager avec vous, mes amours. Merci beaucoup, Basile. J'attends que les gens se connectent. Hein. Encore, il n'y a pas assez de monde là. J'attends que les gens se connectent et puis on va lancer. Parce qu'on ne va pas être très long aujourd'hui. Et l'information aujourd'hui est trop riche. Donc, Basile, je compte sur toi pour faire le partage. Je sais que tu es connecté. Et je suis très content que tu sois connecté. Alors là, Honoré, comment tu vas? Ouais, je vous aime. On va écouter un peu la musique et puis après on va lancer. Hein. Donc, bon, voilà. Bonsoir. Ici, c'est le grand prince vert. Comme je vous avais promis depuis, à chaque fois que j'ai une information importante, je viens partager ceci avec vous. Donc, j'ai une information très très importante que je tenais à partager avec vous ici aujourd'hui. En fait,
Qu'est-ce qui se passe? Et je sais que vous vous souvenez quand même de ce pasteur américain tué dans le museau il y a quelques années, je crois il y a 2 ans ou 2, 3 ans, je crois. Où une journaliste au nom de Mimi Mefou avait été en Bastille, arrêtée et libérée. Et elle s'est réfugiée, je crois, aux États-Unis ou en Allemagne. Vous vous souvenez très bien. Parce qu'elle avait une information très importante. Et donc, on l'a intimidée. On l'a même menacée de mort. On a dit que si elle osait partager cette information avec les Camerounais, sa vie était en danger. Donc, elle n'était plus en sécurité au Cameroun. Donc, c'est pour ça qu'elle est partie du Cameroun. Je peux vous dire aujourd'hui que l'affaire est revenue après le nouveau gouvernement américain. Donc, après le gouvernement Biden. Je vais vous expliquer pourquoi c'est revenu. La vice-présidente a pris la ferme, hein, parce que le pasteur était son ami personnel. Il se trouve que le pasteur était le frère d'un sénateur républicain au Sénat américain. Et ce pasteur a été tué parce que, pas par les Amazoniens, contrairement à ce que le gouvernement avait dit, mais par l'armée camerounaise. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée camerounaise a tué ce pasteur et il a mis ça sur le dos des Amazoniens. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie des Amazoniens. Alors, ces Amazoniens ont envoyé des preuves à Mimi Mofo, journaliste à Equinox. Et Mimi Mofo a publié sur sa page l'information, juste une petite partie de l'information. Et c'est pour ça que Mimi Mofo avait été ambassier, arrêté, et vous imaginez la suite. Donc, elle était obligée de quitter le Cameroun, qui aujourd'hui vit en exil quelque part. Le gouvernement Trump, à cette époque-là, n'avait pas trouvé opportun, n'est-ce pas, de se prendre la tête avec le problème d'un pasteur tué dans le museau. Et vous savez, tous ceux qui ont, j'ai eu le privilège de connaître qui était Donald Trump, c'est un vendu, excusez-moi. Le thème, mais lui, c'était pas quelqu'un qui défendait les Américains. Quand un Américain a un souci, c'était pas trop son problème, contrairement à ce que j'en pensais. Lui, c'était l'argent ou rien. Alors, je peux vous dire, avec certitude, et confirmer même d'ailleurs, que depuis quelques jours, nous avons. C'est vrai, comme j'ai toujours dit, nous avons quand même des amis partout dans le monde qui, de temps en temps, nous, quand même, nous donnent des informations crédibles après vérification. Et quand je vérifie, c'est pour ça que quand je vérifie, que j'ai la certitude que cette information est accurate, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que crédible, en ce moment-là, je viens partager ça avec vous. Alors, depuis quelques jours, le gouvernement de Yaoundé tremble parce que la vice-présidente américaine a repris le dossier et elle veut voir, que le gouvernement américain veut voir plus clair comment et pourquoi. Et je peux vous confirmer que au jour d'aujourd'hui, le gouvernement américain accuse l'armée camerounaise et plus précisément, je pense que le ministre de la Défense doit s'inquiéter parce qu'il y a. Il y a un dossier qui se prépare contre l'armée camerounaise. Il y a quelques généraux. Et je peux vous dire que l'information que moi j'ai, c'est que le gouvernement américain a juré que ces crimes ne vont pas. This crime not gonna go unpunished. Ça veut dire que l'armée va payer le prix. L'armée camerounaise va payer le prix. Alors, il y a aussi ce qui est revenu encore de la table
à la Maison Blanche. À l'heure où je vous parle, c'est l'affaire de Gabou qui est revenue encore. Parce qu'il y a eu un laxisme. Et bien, avec Trump, vous savez, lui, c'était quelqu'un qui racontait n'importe quoi. Et il... Bon, donc je veux pas, on ne va pas encore refaire l'histoire de Trump avec tout ce que, nous avons vécu. Mais le gouvernement américain, en ce moment, le gouvernement Biden, je peux vous dire aujourd'hui que le gouvernement Biden sont en train de préparer un dossier pas très gentil à l'égard du Cameroun. Il y a deux pays, je dirais même trois. Il y a l'Ouganda, le Cameroun et l'Éthiopie. Ça, c'est ça, ce dossier est là maintenant. Dans le cas de ce pasteur américain tué dans le Nozo, il y a déjà des informations, il y a déjà des informations crédibles qui prouvent que l'armée camerounaise, hélas, était impliquée. Et le gouvernement américain en veut à la France de couvrir le crime du gouvernement camerounais. Et c'est pour ça que je peux déjà vous donner la primeur d'information. C'est pour ça que depuis quelques jours, le gouvernement français essaie de faire semblant d'interdire certains ministres camerounais. Je crois qu'il y a le premier d'entre eux peut déjà commencer à s'inquiéter. Je peux nommer Atangaji qui peut déjà commencer à s'inquiéter. Le gouvernement américain a sorti un dossier sur un ministre camerounais que je ne préfère pas donner le nom ici aujourd'hui, mais que vous... D'être celui qui a créé des milices dans un oiseau pour tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime en place, financé par ces ministres. Je vous donne le nom après, mais pour le moment, je ne vais pas vous donner le nom. Et vous allez deviner pourquoi. Pourquoi la liste des ministres camerounais, pourquoi le gouvernement français se précipite pour essayer de se blanchir? Parce qu'ils ont couvert des crimes que le régime, c'est-à-dire que l'armée a commis dans nos eaux. Et c'est pour ça que le gouvernement français essaie de donner l'impression qu'ils sont avec le peuple camerounais. Alors le gouvernement français a pris une décision il y a quelques jours qu'il y a les ministres camerounais qui vont bientôt, on va les interdire de séjour, visa. Bon, mais ce qui est plutôt bizarre, on ne va pas interdire un Français de ne pas aller en France, puisque la plupart de ces ministres sont français. Puisqu'on nous dit, on nous fait croire qu'il n'y a pas de nationalité au Cameroun, mais la plupart de ces ministres sont des Français. Les Français, les Canadiens, les Espagnols, et puis les Américains, les Canadiens, et bien d'autres. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que la panique générale. Les États-Unis d'Amérique a demandé au gouvernement français de lui rendre compte de ce que pourquoi il y a eu des meurtres et la France est restée indifférente. Parce que, comme je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, que la France soutient le régime en place et que tout ce qui se passe, le régime français, le français est au courant, la France est au courant, mais il fait semblant. Je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas souvent dans mes habitudes de condamner la France. Oui, la France est mêlée dans beaucoup de choses sales au Cameroun. Ça, je peux vous dire ça aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté contre la France. Beaucoup ont traité ces personnes, ces Camerounais, des antipatriotes, des ceci, des vendus et bien d'autres. Mais je pense que ces Camerounais sont beaucoup plus, c'est des patriotes qui aiment le Cameroun.
Mais la France donne l'impression. Aujourd'hui, puisque le gouvernement américain a demandé des comptes à la France a tiré paniquer. Parce que l'Amérique, aujourd'hui, selon les informations que nous avons à notre position, le gouvernement américain ne va pas se gêner pour publier des images satelliques. Comment on a tué le pasteur par l'armée camerounaise. Ils vont publier, et je vous promets que dans les prochaines semaines, ça va faire la une de tous les journaux dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire que le gouvernement camerounais est en train de paniquer. Et je mets quiconque d'ici dans le gouvernement de sortir et me démentir. Parce qu'aujourd'hui, là, le gouvernement camerounais panique. Et moi, je peux déjà donner cette information parce que c'est une façon crédible et que personne ne peut me démentir de ce que j'ai dit. Et c'est ce qui va se passer dans les prochains jours. Et je dirais même dans les... Peut-être qu'avant la fin du mois de février, vous allez comprendre la position américaine vis-à-vis du Cameroun. Et je veux vous dire que je crois que j'avais ma précédente, je crois, conférence, j'avais dit que au gouvernement camerounais que il serait mieux pour lui que si Trump est réélu, eh bien, là, le gouvernement camerounais peut danser. Mais je vous dis que c'est ce même gouvernement de Biden qui a enlevé Kadhafi au pouvoir en Libye. Eh bien, je vous dis que ils ont déjà mis le Cameroun sur la liste rouge. C'est la liste rouge. Donc, je vais couper, quelqu'un m'appelle là, je vais... Donc, voilà qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le Cameroun va se retrouver dans une situation pas très confortable. Parce que tous les crimes qui se passaient, le gouvernement américain va remettre ça sur la toile. Donc, ça va pas être facile pour le gouvernement camerounais. Alors maintenant, je ne sais pas si le gouvernement camerounais va essayer de sacrifier certains ministres. Je dis que je peux vous dire, garantie, je dirais pas à 100%, mais plus ou moins à 90%, que le ministre de la Défense doit s'inquiéter parce que en ce moment précis, le gouvernement américain soupçonne le ministre de la Défense d'être celui qui finance les militaires qu'on appelle l'escadron de la mort pour tuer les Camerounais. Le gouvernement américain va mettre ça sur la place. Et je peux vous dire que le ministre de la Défense doit en ce moment s'inquiéter. Parce que ce sont les informations que nous avons. Vrai, comme moi je vous dis, on a quand même des amis qui peuvent nous donner quand même des informations crédibles. Donc, c'est pour ça que je tenais à partager cette information horrible qui se prépare contre le Cameroun, à vous mes amours et à tous mes amis camerounais, et qui me suivent partout dans le monde. Mes chers compatriotes, ce que je peux vous dire aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup de Camerounais qui, n'est-ce pas, ont baissé les bras. Quand je dis baisser les bras, je pense que la majorité des Camerounais aujourd'hui ont l'impression que il n'y a plus rien à espérer. Sauf attendre que le bon Dieu vienne nous libérer de je ne sais quoi, pendant qu'on voit les Camerounais mourir au quotidien. Savez, je suis un homme indigné. Je dis bien indigné et déçu par le comportement de certains Camerounais. En l'occurrence,
les Camerounais des ressources du sud et du centre. Je n'ai pas la prétention, n'est-ce pas, de donner, de stigmatiser une tribu. Mais j'ai vu ce que j'ai vu après les différents accidents à l'ouest du Cameroun. J'ai compris que nous, les gens, les ressortissants de l'ouest, nous sommes plus considérés comme les Camerounais à part entière. Pourquoi? Je crois que vous avez suivi ma sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, je crois, où j'étais un peu dur à l'égard du ministre de l'administration territoriale pour son intimidation qu'il a proférée à l'égard des chefs traditionnels à l'Ouest, avec tous ces dérapages langagières à l'égard de nos parents, nos chefs traditionnels à l'Ouest. Je crois que vous avez suivi. Eh bien, encore aujourd'hui, je suis non seulement indigné, c'est je vois les ressortissants, que j'ai bien noté, les ressortissants du centre. Je n'ai pas dit tous les ressortissants du centre, parce que tous ne sont pas d'accord avec. Parce qu'il faut nuancer, il faut faire le distinguo. Et tous ne sont pas toujours d'accord avec le comportement de certaines personnes qui, n'est-ce pas, affichent parfois des comportements parfois sujets à caution à l'égard des ressortissants de l'Ouest. Je dis ici, et je pèse mes mots, que le Cameroun se fera avec l'Ouest. On ne peut pas nier cette évidence. Que ça vous plaise, que ça vous déplaise, le Cameroun ne se fera pas sans l'Ouest. J'ai reçu des milliers de messages des gens qui m'ont envoyé des sympathisants, n'est-ce pas, de ceux qui pensent que un chef traditionnel n'a pas le droit de donner son avis sur des sujets importants au Cameroun. Il y en a qui m'ont critiqué en privé. Il y en a qui ont apprécié ce que j'ai dit. Mais j'ai donné mon opinion. Je pense qu'au Cameroun, il y a la liberté d'expression. Donc, chacun peut donner son opinion sur un sujet important. Surtout que quand l'Ouest. Surtout, vous avez remarqué depuis un moment, je ne fais des sorties que quand l'Ouest. Puisque je suis originaire de l'Ouest, je n'ai pas honte de dire que je suis de l'Ouest, Cameroun. Je n'ai pas honte de le dire. Et je suis fier. Donc, j'ai fait sortir la semaine dernière pour essayer de recadrer un peu le ministre de l'administration territoriale pour lui rappeler que, bien que lui, il est de Nozo, il ne peut même pas rendre visite à sa famille dans le Nozo. Et il ne peut pas tenir ce genre de langage déplacé au chef traditionnel de ce département, de ces régions, je dirais. Et c'est pour ça que je crois que je me suis senti offensé, blessé dans ma chair pour condamner cette attitude plus ou moins déplacée à l'égard des ressortissants de l'Ouest. Je vous ai bien dit que quand on dit que les chefs traditionnels sont des sympathisants d'un opposant originaire de l'Ouest, c'est comme si cet opposant originaire de l'Ouest n'est pas un Camerounais à part entière. À ce moment-là, eh bien, il faut alors nous dire clairement que les gens de l'Ouest ne sont pas des Camerounais. Je crois que dans le gouvernement actuel, il y a quand même des ministres qui occupent des postes importants qui sont des ressortissants de l'Ouest Cameroun. Donc, ça ne fait pas des Camerounais. Des sous-Camerounais. C'est des Camerounais à 100%, c'est-à-dire que c'est des patriotes qui ont accepté de servir le pays, bien qu'on ne peut pas être d'accord avec eux. Vous savez, j'ai eu des positions un peu mitigées
quand la ministre Madame Coutès a été en France, je crois, un peu été un peu humiliée, ça m'a fait de la peine. Vous savez, parce que c'est quand même une personne, elle est de l'Ouest. Ça m'a fait de la peine parce que j'ai eu quand même le privilège de rencontrer ces dames, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Cameroun, au Palais Royal. Mais ça m'a gêné. Mais bon, vous savez, quand on accepte de servir pour quelqu'un, eh bien, il faut assumer des conséquences. Et je voulais juste faire cette parenthèse pour rappeler aux gens que elle est ministre, mais elle est de l'Ouest, Cameroun. Bien qu'on ne peut pas être d'accord avec elle. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème personnel. Mais il y a du choix à faire. Et comme vous le savez, tous ceux qui me connaissent connaissent ma position. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. J'ai déjà eu à décrire, il n'y a pas très longtemps, que on ne peut plus encore continuer à parler de bilan des 38 ans, je dirais même 39 ans, de président Paul Biya. On ne peut pas continuer à débattre parce que vous savez, tout le monde sait, c'est plus assez que personne. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce qui me prend la tête, ce qui me traumatise même, je dirais, c'est cette misère que je vois au quotidien au Cameroun. Cette pauvreté. Il y a certaines personnes qui se prostituent pour des prunes dans des plateaux de télévision, puisque vous savez, nous, la diaspora, de temps en temps, on a quand même ce plaisir de regarder le Zénith, Equinoxe, et puis Equinoxe soir, sur Equinoxe. Et quand je vois les gens qui se pavanent, qui viennent nous donner des informations ou bien essayer de justifier l'acte posé par le gouvernement et parfois des choses qui ne tiennent pas debout, j'ai envie de rire. Bon, alors, les Camerounais, la majorité des Camerounais, bon, puisque les Camerounais, ils ont accepté vivre ce genre de vie, c'est le quotidien. J'ai suivi, comme monsieur tout le monde, ces messieurs en train de danser à Yaoundé. Jubilé même, je dirais. Au départ, je croyais qu'il jubilait pour la Coupe du Monde, pour la Coupe d'Afrique. Mais quand il a dit qu'il est content de voir que on tue, que c'est bien comme les ressortissants de l'Ouest sont tués, et ben, il a même dit, je crois, si j'ai bonne mémoire, il a même dit que tous les ressortissants de l'Ouest doivent mourir. Ils ne considèrent pas les ressortissants de l'Ouest comme des Camerounais. J'y avais des larmes aux yeux. Et puis quand un monsieur du centre fait cette déclaration, le gouvernement ne condamne pas. Mais si c'est un gars de l'Ouest qui fait cette déclaration, le gouvernement va sortir. Vous vous souvenez quand l'artiste, comment s'appelle encore, Charlotte Bipanda, a donné son opinion sur la mauvaise gouvernance au Cameroun. Vous vous rappelez comment le gouvernement est sorti, a fait il a fait tout un tohu-bohu médiatique contre cette jeune dame, jeune sœur, musicienne. Eh bien voilà que il y a des boules ou des bêtises. Je ne vais pas dire tout, je ne vais pas dire boulou, parce que moi, dans ma famille, il y a les boulous. Les bêtis, à Yaoundé, qui jumellent, qui sont contents de voir les gens de l'Ouest, de l'Ouest, de l'Ouest mourir. Et personne ne parle. Et vous dites que le Cameroun, il y a un problème, il n'y a pas un problème au Cameroun. Il y a de sérieux problèmes au Cameroun. Le tribalisme d'État, voilà ce qu'il y a au Cameroun. Et dans l'indifférence totale de ces soi-disant ministres de la République qui sont des ressortissants du centre et du sud. Ça m'a fait mal.
Je voulais venir sur l'appel que le roi Jean-Raymond Sokoujou a lancé pour la paix au Cameroun. Oui, j'adhère à cet appel. Tout ce que je veux la paix au Cameroun. Et une paix véritable, pas une mascarade. C'est-à-dire que j'ai l'impression que aujourd'hui au Cameroun, quand on n'est pas du centre ou du sud, on est marginalisé. Ça en fait la peine. Mais comme j'ai toujours dit, le Cameroun se fera avec l'Ouest. Que ça plaise ou que ça déplaise à ceux qui pensent que ils doivent refaire le Cameroun et puis refaire l'histoire du Cameroun. À chaque fois que un ressortissant ou bien quelqu'un de très important, comme vous avez vu, les chefs traditionnels qui ont fait une pétition pour dénoncer la misère, le mal-vivre des Camerounais et comment ils ont été amassés, et quand je vois les chefs traditionnels ressortissants d'autres régions du Cameroun, ne sont même pas inquiétés. Je dis et je répète encore ce que je dis, contrairement à ceux qui m'ont envoyé des messages en privé en disant que Jean-Raymond était un rebelle. Le roi Sokoujou était un rebelle. J'ai l'impression que ces personnes qui, souvent, de temps en temps, nous donnent l'impression qu'ils aiment le Cameroun plus que les autres Camerounais, ont un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que ils refusent d'accepter l'histoire du Cameroun. Est-ce qu'on est obligé de s'allier au régime en place? Bien sûr que non. Moi, par exemple, je suis de la société civile. Je vous dis que je ne pense pas qu'il y a la démocratie au Cameroun. Et c'est pour ça que je ne me suis jamais intéressé à la politique camerounaise. Ça ne fait pas de moi un rebelle. Que je sache. Je donne mon opinion. Comme j'ai toujours dit que j'ai toujours apprécié la majorité de nos compatriotes camerounais résidant à l'Occident. Et parfois en Afrique même, je dirais, qui se soucient du Cameroun, de mal vivre. Mais et on avait tendance à croire que les Camerounais sont contents de ce qui se passe. Mais c'est quand ils sont victimes de quelque chose, comme nous avons vu l'autre jour, les enseignants qui ne sont pas payés depuis je ne sais pas combien d'années, et qu'aujourd'hui, ils se plaignent. Et puis nous avons vu aussi à la caisse de prévoyance sociale à Yaoundé, les mamans qui sont là-bas, qui partent dormir là-bas parce qu'on les paye pas. Ils acceptent, ils se plaignent. C'est des gens qui n'ont. Bon, et puis, et dans les différends de tout le monde. Nous avons vu des journalistes ambassiers mettre en prison, même les avocats mettre en prison parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le système. Mais bon, et quand on voit ça, et comme les Camerounais, c'est des peureux, eh bien, personne ne parle. Et que tu parles, comme a fait le roi Sokoujou, eh bien, tu es traité comme un rebelle. Que tu veux comment dirais-je, la destruction du Cameroun. Puisque aujourd'hui, c'est à la mode, hein. C'est-à-dire, chaque fois que tu donnes ton opinion sur un sujet, tu n'es pas d'accord avec comment le Cameroun est gouverné, eh bien, tu es rebelle. J'ai vu les sacrifices que beaucoup de Camerounais font. Et depuis un moment, ils ont baissé les bras. Ils sont plus trop hâtifs. Et quand je vois certains Camerounais qui sont sacrifiés pour, n'est-ce pas, se battre pour la liberté au Cameroun, quelque part, je m'en réjouis un peu quelque part. Mais ce qui me fait mal, le plus, ce qui me fait mal, c'est le silence.
que celui qui est censé incarner, c'est-à-dire que celui qui est le présent camerounais. J'ai nommé le présent Paul Biya. Il n'a jamais. Bon, il envoie ses sujets. Il envoie ses sujets, mais il n'a jamais condamné lui-même, en personne, cette souvent déclaration maladroite de certains de ces sujets. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui que je voulais tout simplement partager cet avis. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui pour faire comprendre que je suis du cœur avec vous, je vous aime et que je pense beaucoup à vous et que je vais vous revenir avec le nom des ministres la semaine prochaine quand on voit que la France, parce que la France est en train de préparer un dossier sur différentes personnalités camerounaises pour les sanctions. Et vous vous souvenez très bien, j'avais dit au mois de septembre qu'il y aura des ministres qu'on va sanctionner, on va gérer de leurs biens, on va les interdire de séjour en France. Et bien voilà, c'est ce qui va se passer dans les semaines à venir. Alors vous savez, quand moi j'ai donc le choix. Et puis, vous savez, parfois, quand tu as une information, ça prend un peu du temps. Mais maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je voulais tout simplement vous dire que je vous aime. Je fais un petit coucou à Mamona Durand en France. Et à la princesse Abiba en France. Et ma grande sœur, la princesse Adija, malade de son état à Douala. Et bien entendu, la famille royale. Et en l'occurrence, mon papa, le sultan roi Libanon. Sans oublier toutes les Camerounais et la diaspora camerounaise qui me suit depuis. Je vous aime. Et la semaine prochaine, je reviens à vous. Je vous aime. À très bientôt. Ici, c'est le grand prince Joya.